Hey, salut les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, nous sommes sur la bêta de Battle for Azeroth pour parler d'une nouvelle fonctionnalité qui apparaîtra avec la nouvelle extension. Et il s'agit du fameux War Mode, hein. Vous savez, le mode, je vais vous dire exactement, JCJ mondial, voilà. Alors en gros, dans cette vidéo, on va plus ou moins parler de quoi il s'agit, entre guillemets, dans les grandes lignes, hein, parce qu'on n'a pas encore l'intégralité des détails. Mais voilà, ça va nous permettre de nous faire un avis sur la chose. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'est ce mode guerre, eh bien, c'est un nouveau mode de PVP, mais qui va mettre en mode le PVP, ce qu'on appelle en tout cas le PVP sauvage, c'est-à-dire ce fameux PVP en extérieur, hein, donc eux, ils appellent ça le JCJ mondial, donc hors BG, arène, etc. Donc, là, comme vous le savez, à partir de la prochaine extension, il n'y aura plus de distinction entre les serveurs, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de serveurs PVE, etc. Ijal ne sera plus un serveur PVE, de même qu'Archimonde ne sera plus un serveur PVP, etc. Toutes ces distinctions-là, elles sautent. C'est-à-dire que, peu importe le serveur dans lequel vous êtes, vous pourrez choisir en capitale, donc Orgrimmar pour la Horde, et Stormwind, donc Hurlevent pour l'Alliance, seulement dans ces capitales-là, vous pourrez choisir si vous voulez passer en mode PVE ou PVP, et selon votre choix, vous serez transféré soit sur un serveur PVP qu'avec des joueurs qui ont activé l'option et qui sont aussi en PVP, soit sur un serveur PVE qu'avec des joueurs qui restent en PVE et qui n'ont pas activé cette option. Regardez, quand je vais dessus, ça me met « Active le JCJ ouvert face à la faction adverse ». Active les talents en extérieur et en rouge, ce mode ne peut être activé ou désactivé qu'à Orgrimmar. Évidemment, c'est pour éviter les abus. C'est-à-dire, voilà, je suis en train de pex, d'un coup, je valide plusieurs quêtes, hop, j'active le War Mode, je les rends toutes, je le désactive, ce genre de choses-là. Parce que vous allez voir que le fait de l'activer, ça donne des bonus, dont un bonus d'XP qui est très accessoire, hein, vous le verrez bien. Bon, en tout cas, voilà, plus de distinction entre les serveurs. On a possibilité d'activer ce fameux JCJ mondial et puis voilà, tout simplement pour mettre eh bien, le PVP en avant. Alors ensuite, une fois que ce mode JCJ est activé, donc là ils le disent nulle part, mais évidemment j'ai pris des petites notes, lorsqu'on aura ce mode là, partout dans le monde, évidemment la super map toute buggée, donc partout sur la map, tous les gens qu'on va rencontrer, à chaque fois qu'on va tuer un joueur, on va gagner 5 points de conquête. Vous savez, les fameux points de conquête, c'est la monnaie qui permettait d'acheter du stuff PVP. Eh bien, elle fait son retour à la prochaine extension. Et donc, voilà, avec les fameux points de conquête, eh bien, vous allez pouvoir acheter chaque semaine. Je crois que ce sera capé, hein. Chaque semaine, vous serez capé en points de conquête, mais vous pourrez acheter en gros une pièce. Une fois que vous aurez le full stuff conquête, vous pourrez continuer à farmer parce que il faudra racheter le même stuff, mais en mode version supérieure, etc. Donc il y aura largement de quoi faire. A chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous avez 5 points de conquête. Et à chaque fois que vous tuez un assassin de la faction adverse, vous n'avez pas 5, mais vous avez 25 points de conquête. Ce qui équivaut, ben voilà, 5 fois plus. Hein. Donc ces fameux assassins, tout ça, on va en parler. Regardez en haut, j'ai des buffs. Donc j'ai activé le mode JCJ mondial à Orgrimmar. Et là, j'ai eu ces petits buffs-là. Donc pas celui-ci, hein. Ça c'est l'événement bonus, mais celui de droite et celui de gauche. Celui de droite, Soldier of the Horde, tout simplement, voilà, soldat de la Horde, tuer des personnages joueurs de l'Alliance, octroie 5 points de conquête, tuer des assassins de l'Alliance, octroie 25 points de conquête. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un assassin concrètement? Bah, ça tombe bien, c'est écrit juste en dessous, regardez. Au bout de 10 victimes de l'Alliance sans vous faire tuer, donc ce qu'on appelle un kill streak, hein, une chaîne, quoi, vraiment une série, voilà, eh bien, vous accédez au statut d'assassin de la Horde, ce qui augmente vos dégâts de 15% et vos soins de 15%. Voilà, si j'arrive à tuer 10 personnes sans mourir, paf, je passe assassin de la Horde et, eh bien, l'Alliance voudra ma peau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, j'ai un petit bonus, je fais 15% de dégâts en plus. C'est pas non plus ouf, hein, parce que bon, 15% de dégâts en plus, ok, on fait plus mal, mais ça ne nous garantit pas de faire du 1v5, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, au final, quand vous serez assassin de votre faction, eh bien, vous allez apparaître sur la map. C'est là que ça se complique, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, hop, ici, il va y avoir un petit cercle. Je ne sais pas quelle icône ils vont utiliser, mais il va y avoir une petite indication pour dire, ici, il y a un assassin. Donc, tous les joueurs qui sont dans les parages, ils vont aller vers l'assassin et ils vont le tuer pour empocher les 25 points de conquête. Donc voilà,
C'est comme ça que ça va fonctionner. Maintenant, on va entrer un petit peu plus dans le détail et savoir comment ça fonctionne concrètement. Donc, vous l'avez vu, soldat de l'Alliance, 5 points par personnage tué, 25 points quand on tue un assassin. Au bout de 10 kills, on passe assassin nous-mêmes et on fait 15% de dégâts en plus. Deuxième buff, recruté. Expérience gagnée en tuant les monstres et en accomplissant les quêtes, augmentée de 15%. Comme si, voilà, on avait une petite potion XP ou quoi que ce soit. Alors, les gens se sont étonnés, ils ont dit, mais alors, pourquoi, avec ce mode-là, on a ce buff XP? Eh bien, Blizzard a répondu que c'était pour pallier un petit peu à la perte de temps que pouvaient occasionner les différentes joutes PVP, là, les différentes escarmouches qui allaient se créer. Les gens allaient se faire gank, allaient mourir, allaient revenir, allaient perdre du temps pendant leur fast pecs. Donc, on leur donne ce bonus-là. Alors, évidemment, hein, il va de soi que beaucoup de gens vont en abuser de ce buff là, ils vont se mettre en groupe de 5 joueurs, ils vont arriver, pif pouf paf, ils vont prendre toutes les quêtes, tac, ou ils vont peut-être TP au moment de les rendre, je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on sait que des joueurs vont en abuser pour pex beaucoup plus vite. Maintenant, j'ai envie de vous dire, cet avantage là n'est pas non plus incroyable, surtout quand on sait qu'une phase pex, c'est quelque chose d'extrêmement rapide aujourd'hui. C'est-à-dire que en moins de 24 heures largement, hein, je veux dire, la plupart des gens seront... Enfin, la plupart des gens, non, les plus rapides arriveront level max en moins d'une journée. Bref, quoi qu'il arrive, sur 2 ans d'extension, c'est plus qu'anecdotique. Hein. Donc voilà, il y a un peu plus d'XP. Moi, je pense que je passerai en War Mode parce que, si vous voulez, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, là, la carte bug, donc évidemment, je ne peux absolument rien vous montrer, c'est fabuleux. Donc en fait, si vous voulez, il y a 2 îles, d'accord? Il y a l'île de Kul'Tiras avec 3 zones dedans, et c'est les 3 zones dans lesquelles l'Alliance va pex. Et puis il y a l'île de Zandalar, où il y a aussi 3 zones, et puis c'est les 3 zones dans lesquelles la Horde va pex. Donc, j'ai envie de vous dire, si on commence à jouer et qu'on active le War Mode, parce que visiblement, là, en tout cas sur la bêta, je peux l'activer dès le 110. Hein. S'il s'activait au 120, ce buff-là aurait même encore moins d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il pourra s'activer au 110. Donc, admettons, début d'extension, vous êtes niveau 110, vous activez ce buff-là, eh bien, vous allez faire votre fast pex en tant qu'Horde où? Eh bien, à Zuldazar, à Nazmir et à Vol'dun. En toute logique, dans ces zones-là, il n'y aura que des Hordeux. À moins que des allianceux aillent extrêmement vite pour pex sur leur continent, fassent ce qu'il faut pour pouvoir venir sur le continent de la Horde pour tuer des bas niveaux. C'est pour ça. En tout cas, pour la phase pex, je pense que beaucoup de monde vont passer en War Mode, quitte à le désactiver une fois 120. Hein. Ça, c'est une possibilité. Mais en tout cas, voilà. Pour la phase pex, je vous avoue que je comprends pas trop ce bonus-là, puisqu'on n'est pas mélangé avec l'Alliance. Peut-être que ce sera fait pour les joueurs plus tard. Voilà, quand tout le monde sera 120, les gens qui vont reroll, ok, ils auront ce bonus-là, mais ils auront quand même une chance de se faire tuer par des gros joueurs. Bref, on verra bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, sachez que avec ce War Mode, vous avez 15% d'XP en plus, et pas que sur les mobs, aussi sur les quêtes. Donc ça vaut son pesant en cacahuète. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que Blizzard a expliqué un truc aussi. Ils ont dit que là, les joueurs, les niveaux, plus précisément, hein, j'essaye de retrouver exactement. Voilà, le niveau d'objet de votre équipement est adapté. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes, je sais pas moi, 111 avec un high level, regardez, j'ai combien moi? J'ai 185 parce que je suis full stuff vert, donc on aura plus que ça. Vous êtes en train de pex, vous êtes 111 et vous êtes à level 230. Voilà, 230 on va dire. Et là d'un coup, il y a un joueur qui est 120 et qui lui a level 320. Eh ben, il ne va pas vous rouler dessus s'il vous attaque. Même s'il a 9 niveaux de plus, même s'il a un high level bien supérieur, parce qu'apparemment, ce sera normalisé. Hein. Là, il parle pas des niveaux, il parle juste des niveaux d'objets. Hein. Donc, j'attends plus de détails là-dessus. Mais cette normalisation là du stuff, je vous avoue que je l'ai détesté à Légion. Et je crains qu'elle reste encore une fois à BFA. C'est-à-dire que effectivement, ça équilibre. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça dénature complètement notre perso. C'est-à-dire que à Légion, eh bien, hop, on farmait tout un stuff, on l'optimisait comme on le souhaitait, etc. On arrivait en BG, pouf, on avait un stuff limite et des stats prédéfinis. Voilà, tous les wars avaient les mêmes stats. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc là, en tout cas, voilà, sachez qu'ils le disent, les niveaux d'objets seront adaptés. Comme ça, ça donnera des combats plus ou moins équilibrés. Voilà.
Maintenant, on va parler en détail de ça. Donc en fait, là, de manière classique, vous avez votre template, d'accord? Il est là, il est beau, il est chouette, pas de problème. Là, vous avez, hop, possibilité de cliquer sur la petite flèche pour dérouler les talents JCJ. Et là, on voit qu'il y a 4 cercles. Celui-là, il est gros et les autres sont un petit peu plus petits. Eh bien, une fois que le JCJ mondial est activé, vous pouvez cliquer sur le premier cercle et choisir un de ces 3 sorts. Alors là, les sorts qui sont ici, vous les reconnaîtrez. Hein, c'est les sorts qu'on avait dans l'autre onglet tableau d'honneur, je ne sais plus comment il s'appelait exactement, où on avait comme ça quasiment autant de lignes où on devait choisir un sort par ligne. D'accord ? Visiblement, ça semble avoir été retiré au profit de ces talents JCJ. Ce qui fait que moi, je trouve ça vraiment dommage. Très honnêtement, ça m'a déçu parce que quand j'ai vu qu'il y avait à peine 4 petits sorts comme ça, je me suis dit « Ah, là où commence à redevenir intéressant en termes de choix. » C'est-à-dire que on a les 7 lignes du template classique, plus on a le template PVP avec 6 ou 7 lignes, plus on a ça. Ah, c'est chouette. Et bah, regardez, visiblement, il a été retiré. Et tous les sorts qu'on avait dedans, et bah, ils les ont foutus ici. Donc bon, on verra si c'est mieux ou pas sur le temps. Premier cercle, vous n'avez pas le choix, vous devez choisir un des 3 sorts qu'il y avait en première ligne sur les talents d'honneur, là, hein, d'accord? Donc en gros, c'est le médaillon. Donc soit le médaillon, justement, sur lequel on clique, soit en passif. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai pris le médaillon. Ensuite, ici, vous avez 3 bulles. La première, vous pouvez choisir un des sorts dans la liste. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ici, vous pouvez choisir un des 10 sorts. Alors, évidemment, il y a des passifs, mais il y a aussi des actifs. Hein, on va appeler ça comme ça. Regardez, ça, c'est un passif. Là, justement, c'est un actif. Donc, on peut le prendre et le mettre sur notre barre, en toute logique. Voilà, et puis pouf, je viens de poser une bannière. Hein, ça nous rappellera un petit peu Mop, notamment. Deuxième bulle, c'est la même chose. Hein. C'est pas des talents qui sont nouveaux hein, pour chaque ligne. Non, 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 non. Il y a 10 talents pour les 3 bulles. Donc, hop, deuxième sort, je décide de partir sur renvoi de sort. Et puis troisième, c'est pareil. Hein. Vous voyez, dans la troisième, il y a les talents qu'on a déjà pris. Là, ils sont cochés, voilà, ils sont grisés. Et il y a tout le reste. Je sais pas. Allez, on va partir sur ça. Voilà, un petit disarme. Donc, en gros, pour conclure, visiblement, on perd les talents d'honneur où on pouvait choisir un seul sort par ligne et on récupère ça. Ce qui fait qu'en gros, ça équivaut à peu près à 4 lignes. Hein. Voilà, en gros, parce que la première ligne, c'était pile ça, plus tous ces sorts-là étaient balancés un peu dans toutes les autres lignes. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont viré les quelques sorts qui servaient à rien. Ils ont gardé les sorts les plus intéressants. Et en gros, c'est comme si vous aviez 4 lignes au lieu de 6 ou 7. Alors, c'est pas dramatique, attention. Hein. Mais là, le truc qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire son choix. C'est-à-dire qu'on sera pas cantonné aux lignes. Il y a juste le premier sort où on est cantonné à la première ligne. Mais là, vous voyez, vous pouvez prendre les sorts que vous voulez. Donc, en gros, vous pouvez prendre 2 sorts qui étaient en gros sur la même ligne, par exemple. Donc, voilà comment ça va se passer. Vous faites votre petit truc et vous avez ces 3 sorts-là. Maintenant, ce qui est... Attendez, on va faire un petit test. Ouais, ok, nickel, ça marche. Ouais, ça marche. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous avez activé tous vos sorts, eh bien, ces sorts-là seront aussi... Enfin, ils marcheront évidemment pour le PVP, mais ils fonctionneront aussi pour le PVE. C'est-à-dire, je sais pas moi, si y a un mob qui vous attaque, eh bien, vous pourrez, paf, utiliser le renvoi de sort sur lui, de même que le disarme. Hein, vous pourrez sans problème lui enlever son arme. Donc, il y a un côté qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous estimiez qu'il n'y avait pas assez de sorts, eh bien là, vous pouvez en débloquer quelques-uns en plus qui peuvent aussi être utiles en PvE. Voilà, bon, c'est toujours sympa de pouvoir enlever une arme, c'est toujours sympa de pouvoir réduire le temps de cri de commandement ou ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, hein? Vraiment, est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas? Moi, je vais vous dire un truc. Là, je suis extrêmement content que Blizzard se soucie du PvP et du PvP sauvage, parce que le PvP sauvage de Légion était absolument honteux, donc qui bosse là-dessus, c'est très très bien. Je les encourage vraiment dans ce sens-là. C'est bien de donner des petits bonus.
Alors autant le bonus d'XP, j'ai pas trop compris, mais ça change pas grand chose, hein, qu'il soit là ou pas. Je vous dis, une fast pack, ça va tellement vite aujourd'hui. Ce système de tuer des gens pour gagner des points de conquête, le fait d'en tuer beaucoup, ça nous permet de devenir assassin, d'avoir une prime sur notre tête. Sur le papier, c'est extraordinaire, mais dans les faits, je doute que ce soit aussi bien que ça. Voilà. Donc, avant de parler, je préfère tester par moi-même, d'accord? Et puis, on reviendra là-dessus plus tard pour en parler un petit peu plus en détail. Donc, est-ce que je peux te disarmer? T'as pas d'arme. Est-ce que je peux renvoyer un de tes sorts? Tu fais pas de sorts. Donc, en gros, t'es comme Désolas. Tu ne sers à rien. Donc, je sais pas s'il va y avoir un petit lanceur de sorts. Je vous avoue que j'aimerais bien juste tester. Mais normalement, oui, ça a l'air de fonctionner. Hein. Vous avez vu aussi bien le disarme que le... Voilà. Là, il y a un guerrier. Ah, toi, peut-être que tu auras une arme. Très bien, il a une arme, lui. Donc, une charge, d'ailleurs. Impeccable. Et là, si j'enlève son arme... Et voilà, il a perdu son arme. Donc, effectivement, les sorts fonctionnent aussi en PVE. Donc, ça, c'est une très, très, très bonne chose. Donc, voilà, voilà. On a parlé de tout ça. Maintenant, voilà, une dernière chose quand même avant de se quitter. Hein. Là, vous allez me dire, ouais, c'est génial. Mais bon, là, tu farmes des points de conquête. Là, t'as recruté qui a un bonus XP. C'est pas si ouf que ça. Eh bien, sachez une chose. Une fois que vous arrivez niveau max, c'est-à-dire niveau 120, l'XP ne vous sert plus à rien. On est d'accord, hein, vous êtes déjà niveau max, vous n'avez plus Apex. Eh bien, ce sort-là qui vous donne 15% d'XP va se modifier et vous aurez un nouveau buff à la place. Et ce nouveau buff va vous permettre de gagner d'autres choses. Il va vous permettre de gagner plus d'or. Donc, je crois que c'est 10%, hein, si le data mining que j'ai vu là sur Wowed est bon. C'est 10% d'or en plus. 10% de ressources en plus, hein, des fameuses ressources de guerre. Et ça, c'est quand on fait quoi? Quand on fera les quêtes, quand on fera les fameuses expéditions, hein, parce que vous savez, les expéditions reviennent à BFA. Donc voilà, on a juste un petit pourcentage en plus, donc de war ressources, de gold, et puis il me semble qu'il y avait un autre truc d'azérite, voilà, hein, l'azérite, c'est ce qui va permettre, je l'ai pas le collier, mais vous savez, on a un collier prodigieux à partir de l'extension, donc c'est comme l'AP, hein. L'azérite, voilà, on en aura plus. Donc en gros, on aura toujours quand même ce petit bonus-là, si vous voulez. Maintenant, bien écoutez, moi j'attends de voir vraiment sur papier ce que ça va donner, mais voilà, le but de cette vidéo, c'était de vous donner une idée vraiment en gros de ce qu'était ce fameux War Mode. Maintenant pour conclure, voilà, moi j'attends de voir vraiment si ça va être bien, mais je pense que ça va pas plaire à tous les joueurs PVP, parce que d'expérience, je peux vous garantir que ce qu'aiment les joueurs PVP, c'est le PVP sauvage, mais dans le sens le plus simple du terme, hein, c'est-à-dire PVP sauvage avec tout ce que ça implique, avec des joueurs PVP, des joueurs PVE, avec des joueurs qui pexent, avec des joueurs aguerris, avec des noobs. Ce qu'ils veulent, c'est ça en fait, c'est avoir tout cet environnement-là. C'est-à-dire que un joueur PVP, s'il sait qu'en activant le War Mode, il va arriver sur un serveur où tu auras, je sais pas moi, Boris Kashkash d'un serveur russe, puis Steven Seagal de Stormscale, enfin les joueurs vraiment là qui aiment le PVP, l'arène, etc. Ok, il y aura peut-être en face une vraie, comment dire, un véritable adversaire, mais je sais pas si c'est ce qui les intéresse. Ce qu'ils aiment, c'est arriver derrière des mecs qui sont pas avertis et crac crac les tuer comme ça, faire un petit peu de tout ça. Et là, ils pourront plus. Eh oui. Donc en tout cas, voilà. Tout ça pour dire, sur le papier, c'est une excellente idée. Si on est en PVP, on est récompensé. On a des petits sorts en plus. Et on est avec des joueurs qui, eux aussi, sont en PVP. Donc, moi, je sais que j'adore le PVP sauvage, mais le problème, c'est que j'irai probablement pas dans ce War Mode pour la simple et bonne raison que je suis essentiellement un joueur solo, et il va y avoir que des trains, là, hein. Il va y avoir que ce qu'on appelle des bus mexicains, c'est-à-dire des mecs qui vont être à 5 ou à 10, et qui vont se balader, et qui vont tabasser tout ce qui bouge pour avoir des points de conquête, des trucs et tout, et toi, t'es là comme un con tout seul, et c'est mort. Donc, je pense que c'est un système qui est pas fait pour les joueurs qui vont jouer seuls, à moins d'être rogue, peut-être, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça vaudra le coup d'essayer. Et puis, étant donné qu'on peut changer à la volée en capitale, la question ne se pose pas. Hein. Si c'est pas fait pour nous, on va en capitale, paf, on bouge et puis terminé. Voilà, voilà. En tout cas, je vous invite à balancer votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose pour le jeu ou pas? Et puis moi, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt.
Bye bye.